Hello my little French foodies. Today we are in the beautiful Pays de Loire near the Chambord Castle and we are going to meet Christophe A. This very creative two Michelin star chef is a terrorist. I know it sounds a little bit scary, but it means that he only cooks products that are raised or grown around his amazing restaurant La Maison d'à Côté. Pas bien. J'ai toujours vécu au bord de l'eau, j'ai même fait des concours de pêche quand j'étais gamin, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné et que j'ai toujours aimé. Et puis voilà, j'ai eu mon petit cycle où j'ai vécu un petit peu partout et même à travers le monde, hein, puisque j'ai travaillé pour Monsieur Paul aussi en Floride. Et c'est vrai que quand je suis revenu dans la région, j'avais vraiment à cœur de valoriser ces poissons qui sont toujours dénigrés en fait, hein, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils ne sont pas consommables. Et en fait, quand on a des poissons qui viennent de la Loire, on voit, hein, c'est du sable et des galets, donc on n'a pas du tout de vase ou ce côté terreux. Là, on a des chairs qui sont magnifiques, quoi. Moi, j'aimerais te préparer un rotangle, parce qu'on les a vus tout à l'heure, et puis j'aimerais que tu goûtes à cette chair qui est une chair blanche, qui est très très belle, et qui est pour moi hyper moelleuse. Et puis bien sûr on va te faire la carpe, parce que la carpe c'est pour nous aujourd'hui notre plat emblématique, hein. Et puis la carpe à la Chambord, elle a toute une histoire et c'est aussi un poisson que j'ai beaucoup pêché quand j'étais gamin, que je me serais jamais imaginé travailler, hein, parce que pour moi je trouve qu'il a une peau qui est douce et j'ai eu du mal à vraiment le travailler, hein. Et puis Sylvain m'a dit mais tu devrais essayer de faire de la carpe, tu verras, c'est un poisson qui est magique. Et puis il y en a beaucoup en Loire. Et pour le coup, je me suis vraiment mis à fond dedans. J'ai mis au moins 6 mois à apprendre à le désarrêter, hein, parce que ça m'a pris du temps. Mais en tous les cas, aujourd'hui, le résultat, je pense qu'il est plutôt sympa. Et puis derrière, il faudra manger un petit peu de viande aussi. Mm-hmm. Et tu auras la chance de manger le premier bœuf Wagyu de notre élevage, hein, puisque j'ai acheté 27 têtes en janvier. Et là, on vient juste de sortir le premier animal qu'on a fini nous-mêmes. Donc on est à 6 mois de finition au lin. 36 mois en prairie, 6 mois de finition au lin. Et puis là, au fur et à mesure, c'est pareil, on va développer de plus en plus le persillé. Donc on a un deuxième animal qui va être à 9 mois au lin. J'ai vu un peu ce qu'était ce métier et ce côté un peu ingrat. Et c'est vrai que quand je suis revenu dans la région, j'avais vraiment à cœur d'aller chercher ces petits producteurs, de les valoriser et de les mettre en avant sur ma carte. Et du coup, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qu'on a réussi à sortir justement de cette misère, mais de cette vie qui est quand même particulière, où on travaille pour pas grand chose, et notamment Adèle Chandavoine qui aujourd'hui est la personne qui nous a aidé à préserver justement la souche de la Géline de Touraine. Et Adèle, quand je l'ai rencontrée, c'est la cousine d'une amie d'enfance qui était avec moi au collège, et je savais qu'elle faisait de la volaille et que c'était dur pour elle, et du coup je lui ai parlé de la souche de la Géline, et aujourd'hui elle produit pour nous. Et un jour, elle est venue me voir en me disant « Grâce à toi, j'ai réussi à inscrire mes enfants au judo. » Donc, c'est peut-être rien pour nous. Mais en tous les cas, voilà, c'était quelque chose qui m'a vraiment sensibilisé, où je me suis dit « Là, t'as vraiment pris le créneau qui était bon pour tout le monde, quoi. » Et ça, c'est chouette. What do you think?